Donc une anecdote qui m'a marqué lors des Jeux Paralympiques de Sydney, donc en 2000, j'étais parti pour glaner une médaille, je suis revenu avec une quatrième place, et cette anecdote, j'ai donc pris un grand coup de bambou sur la figure parce que je mettais un terme à ma carrière. Et quand je suis rentré dans ma chambre où Pascal Pinard, mon colocataire pendant plus de 10 ans, où effectivement j'étais un peu effondré, j'avais la photo de ma fille qui était au-dessus de mon lit, et il m'a dit « Fred, c'est pas la fin du monde, maintenant il y a une autre vie qui commence ». Et je crois qu'il avait raison, aujourd'hui elle a 13 ans, elle est en pleine forme et tout va bien. Voilà,